Et pour clore, la page locale des employés de l'Office national d'assurance vieillesse dénonce les mauvais traitements qui leur sont infligés, disent-ils, par l'administration de l'institution. Ces employés indiquent avoir effectué un prêt à l'ONA, non encore effectif, alors que l'institution a déjà commencé à prélever des frais sur leur salaire. Il s'agit entre autres raisons pour lesquelles ils ont lancé ce mouvement baptisé « Mâche et contrée ». Certains d'entre eux étaient au micro de Jefferson Philogène. Suivez. Conférence aujourd'hui a pour objectif dénoncer situation maltraitance qui bafoué droit employé yo, assuré yo, ak pensionné yo. Yo victime en bas main directrice Marguerite Berthe Marie Scott depuis le rivé nan tête Office national d'assurance vieillesse depuis février 2023. Mettez disponible matériel ak fourni de travail qui permet employé yo bay pi bon service. Retournez sous décision qui réduit prêt pensionné yo. Quand ces pensionné yo te gen prêt, les yo engagé, yo gen privilège pour prêter 12 mois et bien madame Bette dit ça à 3 mois. N'a demandé pour DGA retourner sous vieille décision qui compte tout employé ONA qui fin fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qui pourrait prendre pension et li bloquer yon promotion yo toujours ba yo. Ensuite li bloke yon prime et damnité yon kon bayo par rapport à nom de temps yon kon fè à travail. N'a profité fè l'opinion ni gouvernement ni madame Bet konen. Si ensemble de revendications ça va pas répondre pressé, n'a passé dans deuxième phase bataille là.